L'impression qu'on litige pas des masses sur ceux-là. Hein. Oh. On litige voire pas du tout. Je vois mon mana qui remonte jamais. Oh. On n'a pas la discipline pour le tanker, mais... Ah. Trop tard. Non. Moins deux. J'ai... Merdé. Voilà, encore une fois. Mais celui-là était marrant. Matinée productive. Très productive. Productrice, je trouve. Alors, hop. On enchaîne avec Rip 6. Ah, RIP 7, pardon. Donc, définitivement, Valpact, ou rien. Alors, la petite différence de par rapport à tout à l'heure, c'est que là, on n'avait pas la petite régène entre deux. Je vais pas tous les tuer, mais... Ouais, j'ai même pas besoin d'analyser, je l'ai pas vu venir. Je connais encore pas bien ses attaques, mais... Et clairement. RIP 7. C'est qui? Je voulais m'acheter un truc, un Chris Duration. Allez, viens. Mon Dieu. Je sais pas si j'ai un perso qui peut tuer ce Bridge Lord. Non, mais va mourir, toi, le mec, il est trop chaud là. Bah oui, mais moi j'ai pas Valpact, donc du coup ça l'a pas fait. Ah oui, c'est là, bon merci. Ah, en cruel, en Luberlab en fait, où j'ai mouru. Bon, la morale, c'est que quel que soit les persos que j'ai fait avec un Whispering Ice, si on n'a pas Valpact, ça le fait pas. Et elle a pas du tout les dégâts. Mais elle est rapide, elle bouge bien. Par contre, il se peut qu'il la one-shot. Ouh, oui. Je peux pas aller dans mon portail. Ah, je trouve pas mon portail dans l'eau là. Voilà, fuck. Bah on enchaîne. J'ai encore un perso qui pourrait éventuellement le tuer, mais je suis pas très confiant. Répite.
Et on n'a pas l'ascendance, c'est pour ça. Là, c'est pile ou face. Donc Zoff, il tape. Enfin, j'arrive à une conclusion. Hein. C'est une conclusion que j'aime pas, mais vraiment, les build life, ça pue.